Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un épisode info de la chaîne. Et dans cet épisode, je vais vous parler de deux principaux événements. Donc, premier, annonce KTP, et deuxième, annonce création de serveur, aide à la création du serveur. Donc, on va commencer par le KTP. Donc, c'est un KTP qui aura lieu, je ne sais pas quand, ça dépendra de vous, puisque c'est vous qui me demandez de participer ou pas. Donc, pour participer, vous allez juste envoyer sur ma boîte mail Minecraft Freeze Minecraft and Gaming qui est dans la description avec ça avec 4 CP comme ça comme objet si je suis sûr que je me repère. Donc si vous voulez participer vous mettrez dedans votre pseudo Minecraft, vous mettrez votre âge juste comme ça, vous mettrez qu'est-ce que je veux dire votre disponibilité bon, globalement disponibilité, sachant qu'après ils pourront changer évidemment, c'est juste un peu une sorte de sondage. Et ensuite je vous ai ah oui c'est ça pseudo Skype aussi s'il vous plaît, donc histoire que je puisse vous contacter. Donc pour ceux que j'ai déjà, tant mieux, ceux que je n'ai pas encore, je vous ajouterai et on fera un petit débat. Enfin, ça dépendra du nombre de personnes. S'il n'y a pas trop de personnes, bah il n'y aura pas de débat, pas de problème. Voilà, donc le KTP sera du full vanilla, évidemment 1.8. Non régénération de vie, donc le classique. Avec peut-être un système de soif, ça peut être assez classe. Donc je filmerai sûrement, ouais. Oui, si je filmerai. Et donc voilà, si vous avez une chaîne, je vais mettre la description et voilà. Ensuite, deuxièmement, l'annonce création de serveur. Parce que comme vous pouvez le voir depuis tout à l'heure, je suis en train de tourner sur mon serveur que je crée avec les FLIR, d'où ce nom ici. Et donc en fait, adieu les nuages, je vous déteste. Et en fait, on est en train de créer un serveur, donc il n'a pas encore de nom, mais on en trouvera après, ne vous inquiétez pas dessus. Il sera ouvert au public seulement dès qu'il sera terminé, dès qu'il y aura quelques mini-jeux qui seront arrivés. Sachant que j'ai déjà commencé à en créer un. Voilà, vous voyez un peu le roleplay. Donc oui, non, on va aller au Creeper Return. C'est un mini-jeu que j'ai déjà commencé à créer quasiment terminé. Donc oui, non. Sachez de plus que c'est un serveur full vanilla en 1.8 qui n'a pas de plugin. Donc je tiens à préciser là-dessus. Full command block, c'est moi qui gère la partie command block. Diffier partie déco extérieur. Et pourquoi je vous en parle? Vous allez me dire sinon pourquoi je vous en parle. Parce que, simplement, les filles et moi, on recrute un petit peu plus de personnes. Donc, une à deux personnes pour la déco extérieure, intérieure, excusez-moi. Parce que lui, il s'occupe de déco intérieure, extérieure. Ça, j'inverse tout aujourd'hui. Donc, sur mon adresse Gmail, encore une fois, vous écrivez ça. Serveur, et sur le master. Donc, demande pour participation au serveur. Si vous, vous êtes sélectionné pour participer, vous aurez le grade architecte temporairement pendant que vous construisez. Et ensuite, vous aurez le grade VIP offert par la maison. C'est comme ça qu'on dit. Et de plus, si vous êtes plusieurs, ce que je ne doute pas, on vous mettra quelque part sur le serveur, genre par là, on verra. Et on vous demandera de créer. Enfin, Diffier va créer une maison et vous allez devoir la décorer. Donc vous allez avoir exactement la même maison, on fera un petit slash clone et vous allez devoir la décorer en un temps défini ou même sans temps défini, mais juste histoire de voir un peu vos compétences. Sachez de plus que c'est un serveur médiéval, donc si vous ne faites pas de médiéval vous pourrez toujours essayer de vous convertir, mais nous on veut du médiéval, donc ça c'est un truc à savoir. Voilà. Donc, serveur médiéval, donc c'est vraiment sympa, je trouve, que full vanilla. Partie command block, c'est moi qui m'en occupe, il y aura peut-être un Tenter Run, enfin on verra. Mais l'accès au mini-jeu se fera selon les maisons, comme celle-là. C'est la maison du Creeper Return. Donc, pour le moment, je ne vous explique pas ce que c'est. Mais je vous expliquerai un autre jour ce que c'est. Ou même, pour ceux qui vont postuler et qui vont être sélectionnés, ils auront le droit de savoir en avant-première qu'est-ce que c'est. Et même de tester avec nous. Voilà. Donc,
envoyez-moi pour le KTP à ceci, ceci, et pour le serveur, comme ça, sur mon adresse Gmail, donc prismecraft@gmail.com dans la description. Passez-moi votre Skype dans les deux cas. Voilà. Ouais, bah voilà, c'est tout. Donc j'ai fini de vous embêter avec ça, et je vous laisse, je vous dis à plus. Bye.